On se fie mutuellement. C'est qui ce malade? Oh, il m'a cassé le dos.
Oh!
Car sur les réseaux ça a tourné comme quoi il allait avoir une petite soirée ambiançante à partir de 20h30. On est arrivé, on a commencé à s'ambiancer. Comment vous étiez au courant de la soirée? Oh, sur les réseaux ça a tourné hein. Ah oui. On était sur les réseaux, ça a tourné, c'est pour ça qu'on est là avec mes potes. On est arrivé, la soirée était plutôt cool et au bout d'un moment la police a débarqué. Ils nous ont dit de se disperser. Ah, c'est la télé, c'est la télé. Et du coup bon, on s'est pas... Avec des invalides, monte la jolie! Finis mon interview! Les keufs nous sont arrivés, ils nous ont demandé de nous disperser. Une chose que malheureusement on n'a pas fait, parce que sans vous mentir, quand je suis arrivé, on était plus de 5000 personnes, voire 7000 facilement. Je suis arrivé, vous voyez la place, elle était bondée de personnes, il n'y avait pas un espace libre. Elle était bondée, ça m'a rappelé l'événement Coupe du Monde 2018 au l'Arc de Triomphe, Champs-Élysées, quand la France avait gagné. Je vous dis la vérité, j'ai cru que la France avait gagné une troisième Coupe du Monde, hein, je vous dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a été tendu? Alors ça a été tendu parce que malheureusement, on n'a pas respecté les gestes barrières requis par le coronavirus. Du coup, c'est pour ça que... Attendez les mecs. C'est pour ça que c'est parti un peu en cacahuète, si je puis dire. Ça veut dire qu'ils ont commencé à sortir, à nous courser, à tirer des flashballs. Et ça, depuis 22h, c'est comme ça. Les policiers vous ont dit de respecter les gestes barrières, comment ça s'est passé? Non, ils nous ont pas dit de respecter les gestes barrières, ils ont arrêté la musique, ils ont été voir le représentant de la fête, ils nous ont dit d'arrêter tout ça. Pourquoi? Parce que justement, on respectait pas les gestes barrières, ils nous ont demandé de nous disperser, de quitter la foule, et comme je vous ai dit, on était plus de 5000 personnes. C'est impossible de faire dégager 5000 personnes. Du coup, il y en a qui sont restés, des petits jeunes de banlieue qui se sont chauffés à casser les couilles, si je peux me permettre, aux policiers. Du coup, voilà, ça a jeté des bouteilles de verre, ça a coursé la police, tout ça. Et bon, la police a été obligée de répliquer, elle nous a tiré au flashball.
Et enfin voilà, c'est parti en cacahuète depuis 22h comme je vous dis, c'est comme ça. C'était violent ? Ah, c'était violent. Il y en a plein qui ont pleuré, il y avait des blessés partout. Je sais pas si vous avez vu les SAMU qui tournaient H24 comme ça, les pompiers, c'était violent. À un moment ils nous ont gazés. Donc ils nous ont gazé plus d'une fois tout ça. Les blessés, c'était le gaz lacrymogène. Ah non, non, il y avait une fille qui était allongée là-bas parce qu'elle s'est pris un flashball dans la jambe. C'était assez grave. C'était violent. Matraque. Ils ont interpellé un jeune homme qui est tombé. J'ai pas vu de beaucoup, mais si je peux me permettre, ils ont commencé à interpeller. Voilà, moi je trouve que en arriver là c'est pas bien. Ils nous auraient dit de nous disperser gentiment. Maintenant ça a fait des blessés, des filles, des mères d'enfants. Ils se mettent pas à notre place, la police, c'est pour ça. Enfin bref.